Yo tout le monde, c'est Kina, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je pense qu'il faudrait que je change cette intro. Du coup, aujourd'hui, on est sur... Refais le focus, s'il te plaît. On est sur GT Sports, du coup, sur PlayStation 4, le dernier, le petit nouveau qui est sorti. Je ne suis pas toute seule à conduire, pour le coup, parce que je serai avec Anto. Comment tu vas, Anto? Question con, parce que... Ouais. On est tout le temps ensemble, bah quoi, ouais, tu le sais. C'est que c'est très con, mais c'est un truc qu'on fait au fur et à mesure, voilà. Ouais. Donc du coup, chacun, notre tour, on va conduire dessus. C'est la première fois que je vais tester le jeu, je l'ai testé vite fait en multi, mais pas plus que ça. Donc, vu que je suis une piètre conductrice, bon bah voilà, on va dire ce qu'il en est. Hein. J'ai peut-être failli mourir en blablacar, mais je suis quand même une conductrice de merde. On l'a vu sur Euro Truck. Donc du coup, on va être deux à conduire, en fait. On va tester un peu tous les modes, justement, pour voir ce qu'il a dans le ventre, ce GT Sport. Mais je pense qu'il va bien tenir ses promesses et qu'il va être assez bon, puisqu'il a de très bonnes notes. Et on va regarder un petit peu tout ce qui contient. On a plusieurs modes, déjà. On a le mode arcade, campagne, sport. Donc le mode sport, je vais pas le faire tout de suite. Hein. Là, du coup, c'est pour acheter tous les systèmes de voitures. Les infos comme vous voyez sur les conducteurs. Le salon du coup pour rejoindre... Comment ? C'est pas la voiture jaune. Ouais, j'aimerais bien avoir la même. Et du coup, le salon du coup ça va être pour se rejoindre en ligne, pour faire des parties à plusieurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez GT Sports, au cas où, n'hésitez pas à m'ajouter sur PlayStation 4. De toute façon, tout est listé dans la barre d'infos au niveau des pseudos et tout, vous m'ajoutez, vous me dites qui j'ai GT Sports, et ce sera avec plaisir qu'on fera des petites parties ensemble. Il y a pas mal de modes, hein. Franchement, il est hyper complet. Atelier, éditeur, bibliothèque, échange de miles, découvrir, sauvegarder. Il est hyper complet le jeu, c'est un truc de malade. On a des petits systèmes de menus assez cool. Du coup, on va aller sur la campagne et je pense qu'on va tester d'abord l'école de conduite. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que je dois être apte. Voilà. Et j'aime bien ta casquette, du coup. J'aime bien, il y a une petite casquette Marvel. Et moi, je n'ai pas de casquette, du coup. J'aurais voulu avoir une casquette, mais... Donc, du coup, accélérez, tournez, arrêtez-vous, apprenez la conduite d'une voiture. Je pense qu'il est temps. Participer à la course, d'accord. C'est une ligne droite. Hein. Ok, donc participer à la course, donc départ arrêté. On va tester. J'ai dit on va tester, oui. Alors, pour savoir pourquoi on joue chacun notre tour et qu'on fait pas les deux en même temps, c'est parce que c'est plus agréable pour vous d'avoir un écran complet qu'un écran scindé. Hein. Ouais, du coup, niveau... je trouve que c'est plus cool pour la personne. Et puis même comme ça, tu vois les réactions et tout. Mm-hmm. C'est plus sympa. Alors, chargement, donc ça va pas tarder à se lancer, je pense. Au Japon. Ouais. Ah, j'avais même pas fait gaffe, tu vois. C'est le Kyoto Driving Park, Miyabi. Classement ami. Ah, mais je vois qu'il y a déjà des amis qui l'ont, dis donc. C'est pas mal, ça. C'est parti. C'est un départ arrêté, donc il faut que je m'arrête. Non. Ok. Tu dois conduire juste droit. La meuf qui appuie sur les starters, tu sais, qui veut rien lâcher. T'es en automatique, t'es en manuel, t'es en quoi au niveau des vitesses? Là, je suis en automatique. Ça passe tout seul, de toute façon, les vitesses se passent toutes seules. Ok. Bon, j'ai envie de te dire, jusque là, c'était assez simple. On est sur un nouveau record de type pas des... On peut voir le replay de Kiki, attention, regardez ça. Regardez, le lion, le puma. Le puma, regardez-moi ça, c'est magnifique. On voit là avec le casque. Tu vois, quand la voiture elle passe les vitesses, elle lève. Attends, on va quitter du coup. On a aussi plusieurs modes de vue dans le jeu, bien évidemment, première personne, ainsi de suite. Ah! Non, fait que je fasse suivant, c'est moi qui n'ai pas appuyé. Ok. Expérience, 19 d'expérience, ce n'est pas dégueulasse. Pas si toujours mal. Ça de prix. Ouais, c'est le petit tutoriel, je pense. C'est bien parce que sur le côté, en fait, on a des vidéos officielles à chaque fois qui nous montrent bah, comment jouer et tout, c'est assez cool. Donc, choix de l'événement, c'est peut-être choix de. Non, oups! Je vais cliquer sur le mauvais bouton, Michel. Rediffusion. Ouais. Ah, donc c'est bien, on peut revoir en fait, c'est assez cool. Parce que du coup, comme ça, s'il y a un virage que t'as mal pris ou quoi, et que tu veux regarder comment ça se passe, hop, tu refais. Tourner le volant. Ah oui, donc t'apprends vraiment les bases en fait. Ouais, ouais. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'apprendre les bases comme ça? Sur une ligne droite, ils veulent t'apprendre à faire tourner le volant, ils veulent que tu te tues ou... Ouais, grave, ce que j'allais te dire. Alors attends, par contre, parce que je sais qu'il y a une super touche. Ah, voilà. Donc du coup, c'est R1 pour changer le mode de vue, comme ça je vais vous montrer. Oui, ouais, celui-là est assez cool. Voilà. Pour regarder à l'arrière, du coup on va recommencer juste par contre, on va faire réessayer en changeant de mode de vue, donc du coup c'est avec R1. Tourner le volant, passer deux portes jusqu'à l'objectif. Ok, donc ça va être assez simple. C'est parti, on y va. Oh, on est bien, là on est bien, hein, sur une conduite, regardez. Par contre, il est hyper beau. Ouais, je trouve que ça, ouais, je trouve que graphiquement, il se défend bien, il est bien. Il est assez cool et j'aime bien, tu vois bien, tu sais, le personnage c'est hyper réaliste, tu vois, quand il bouge. T'as même pas eu l'or. Ouais, alors là, déçu. Vas-y, viens, on va essayer. On va essayer. Ah oui. Vas-y. Chacun son tour. C'est quoi le frein à main? C'est là, c'est les gâchettes arrière. Tu utilises tout simplement les gâchettes.
Allez, vas-y, vas-y, donne tout. J'ai fait 12 500, c'est 12. Ah bah déjà tu t'es raté direct. J'ai pas vu le parter en fait. Pars déjà sur un très mauvais. Allez, vas-y, concentre-toi. Allez, vas-y. Ça va, il galère pas trop. Vas-y, il faut faire 12 150. Oh bah t'es bien là. Oh t'es bien, là t'as fait l'or. Alors où est-ce que je me suis trompé? Bah j'ai pris trop large, ça doit être ça. Non, t'as fait, en fait, plus la voiture tourne, plus tu perds de vitesse. En fait, si t'as pas remarqué, j'ai frôlé les bornes pour tourner un minimum. Ouais. Alors, juste ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue sur le tutoriel ou on tente de faire un petit peu de course là pour regarder? Oh, on part directement ouais, sur autre chose. On part sur faire de la course hein, pour regarder un petit conduite, peu ce que ça. Ça va 5 minutes. Bah autant c'est vrai, je sais pas conduire. Autant là on peut faire un petit peu de course. Bon du coup on va partir en mission, on va voir ce que ça a dans le ventre un petit peu. Diverses missions qui mettront vos techniques de course à l'épreuve, je pense que ça va être assez épique. Oh ça va, gagner des places avant la fin de la course, collision avec des objets. J'aime pas trop ce truc là. Du coup on a une petite vidéo, ça c'est bien, il y a plusieurs vidéos à chaque fois qui sont mises à notre disposition pour expliquer un peu le déroulement de la course, comment ça va se faire. Oui dis-moi. Et en plus ce n'est pas un menu figé, tu peux regarder la vidéo pendant le chargement. Oui c'est vachement bien, t'as vu? C'est cool. On va faire. Ouais, c'est quand même une vidéo qui pop du coup en plein milieu. Ouais, mais te ça stoppe ah, pas c'est une vidéo YouTube en plus. Bon, là maintenant faut l'enlever, mais. Voilà, donc on va l'enlever, mais ça c'est cool. Et du coup, pour démarrer, ça se fait juste ici. On va tester. Ok, d'accord, roadster. Là, c'est bon. Okay. Là, c'est bon, à partir de maintenant, c'est moi qui conduis. Là, on se concentre. Attends, je suis bien. Je suis pas bien du tout. On va recommencer. Dis-toi que si tu les doubles à cette vitesse, oui, c'est qu'il y a un problème. Si, mais il y a moyen. Attends, parce que. À la limite, t'en doubles un, tu te mets entre les deux, tu freines. Non, j'en double deux. Et tu prends la même courbe. Là, faut que tu prennes la même courbe. T'arrives déjà trop vite. Concentration. La concentration est à son maximum. Sortie de virage, t'accélères et tu doubles. Là, on est bien. Là on est bien, là on ralentit encore un coup. Ah, j'aurais peut-être pas dû autant ralentir pour le coup. Rappelle-toi, faut jamais freiner dans les virages. Ouais. Accélère dans les virages mais tu freines avant. N'empêche, il répond hyper bien au niveau des mouvements, c'est hyper réaliste. Alors après oui, j'ai pas le permis. Alors, je me suis raté, non du coup. C'est pas grave. Dommage, allez à toi. Oh, le bronze, vas-y, tu peux réessayer. Ah oui, il y a quand même une petite aide aussi. Hein. Bah après, sachant qu'il y a plusieurs modes, hein. Il y a un mode assez facile, il y a un mode expert, il y a plusieurs modes pour jouer à GT. Si vous voulez être oui ou non assisté, vous pouvez aussi très bien faire en sorte de passer les vitesses. Vous pouvez modifier les freins, il y a tellement de possibilités, de combinaisons possibles pour que ça se rapproche le plus en, finalement de la vraie conduite en fait. Je crois si j'ai que la bagnole en face de moi elle me force à freiner en fait là. Ah ouais? Bah, sinon je suis dans le cul en fait. Ah vas-y. Ouais, bien joué Anto, c'est bien, tu vas gagner. Tu vas gagner, vas-y champion, on y va. Yeah. Alors de mon point de vue, qui a l'habitude des jeux de course, il y a un truc qui m'a quand même dérangé. C'est qu'il y a une aide qui te force à être dans un certain couloir. C'est à dire que moi je voulais doubler le mec. Et en fait je dois deux fois plus appuyer sur la gauche pour sortir. Parce qu'en fait le jeu me force à aller dans le couloir. Et le problème c'est qu'une fois que je suis sorti de cet aimant entre guillemets, bah la bagnole elle part complètement à l'opposé en fait. Et t'es obligé de te rattraper au dernier moment. Tiens regarde, là tu vois je voulais en sortir, je pouvais pas. Ouais. Là j'étais absolument mais en sensation, je pouvais pas. Bah peut-être justement. T'as vu comment je le colle? Oui mais il doit y avoir je pense des paramétrages peut-être pour modifier ça. Ah oui je pense. Mais ça va, j'ai réussi. Je viens de faire recommencer. Je suis bête non? Bah vas-y essaye. Non, bah non. On va quitter. Bon, on a eu l'or, c'est déjà ça. Bah oui, tu as eu l'or. C'est un travail d'équipe. Ah oui, c'est un travail d'équipe, mais il y en a un qui fait plus que l'autre. T'as fait la course avant moi, ouais. Du coup j'ai pu voir les virages. D'ailleurs, tu sais quoi, la prochaine, c'est moi qui commence. Comme ça, toi, t'as le temps d'anticiper les virages et voir à quoi tu t'attends. Ah non, mais c'est pas ça, c'est juste... Bah là, regarde, ça va aller. Ah oui, non, c'est un là, ça va, faut pas déconner non plus. Déjà, est-ce que c'est compliqué, j'ai envie de vous dire, pour avoir plus de talent de conduite que Kiki? Je ne pense pas, entre nous, mais... Ça n'a rien à voir. Encore c'est juste de l'expérience de jeu, c'est différent. Dis donc. Pourtant j'en ai du camion à mon moteur. Hein, mais Oui, du camion, mais pas de la course. Je sais. Moi j'ai tous les Need for Speed. Oh, de la NASCAR. C'est cool ça, les courses comme ça. Ouais, par contre tu feras gaffe parce que ta bagnole elle va patiner. Hein. Si tu t'accélères trop vite dans le virage, tu vas partir en cacahuète en tête à queue direct. Hein. Oh, elle a une bonne tenue ta bagnole. Ouais, c'est une Subaru. Normal.
Antoine, il fait la publicité des bagnoles en même temps, tu sais, oh, bonne tenue, hein. Par contre, là... Là, c'est le drame. Ouh, elle lève en plus. Ouh, c'est le drame. Vachement bien réaliste. Ah non, par contre, la voiture hyper de devant aussi, hein. C'est un tricheur. Pourquoi? C'est une Lancer Evo. Et le problème, c'est que les Lancer Evo sont connus pour ne pas décoller. C'est-à-dire que tu peux accélérer. Tu peux pas drift avec ces voitures parce qu'elles ont une trop grosse tenue. Tu te pousses, Michel. Salaud. Ralenti, 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 ralenti. Ah, ça passera, accélère. Ah, on tourne. Ah. Il est derrière, hein, il est derrière. Ouais, mais continue, t'es bien parti. C'est bon. GG. Yeah, j'ai fait l'or. Qui a fait l'or? Ouais. Bien joué. Vas-y, je te laisse la recommencer. À toi l'honneur. Cette musique ah, est incroyable. On a une Subaru Impreza, d'accord. Oui, alors Anthony, s'y connaît en voiture, hein, forcément. Moi, je m'y connais encore en trottinette. Ah non, c'est la bah, alors lui, okay. C'est en bagnole pour le coup. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Ne lâche rien. Allez, bombarde. Je me demande si tu peux changer la tenue du pilote, et je crois que oui. Il faudra que je regarde. Oh, le con. Oh, je l'ai défoncé. Il y a moyen de changer la tenue du pilote, ça je le sais. Je crois que j'avais vu une vidéo sur ça. Mais le jeu, donc comme je vous disais, est hyper complet. Brute. On va regarder juste après. Il y a moyen de modifier ses freins, bah d'acheter de nouvelles voitures, bien évidemment. Puisqu'on reste pas avec une voiture comme celle-ci tout du long. Oh, non. Il y a plein de modes de jeu différents. Ne me coupe pas quand je parle. Oui, bah excuse-moi, je vis la course. Il y a plein de modes de jeu différents, il y a tellement de possibilités. Il est très beau, je trouve qu'il est très beau. Après, il faut aimer les jeux sur circuit, puisque c'est pas comme un Forza Horizon qui est en monde ouvert. Oh, sérieux? Ouais. Ah bah tu vois, je pensais pas. Le mur. Je pensais pas. Et du coup, c'est pas comme un Forza Horizon qui est en mode ouvert. Mais moi j'aime bien. Perso, la course comme ça, les courses en circuit, c'est ouais, c'est assez cool. Et anecdote assez drôle, quand le premier jeu auquel j'ai joué quand j'étais petite, c'était sur PlayStation 1 et c'était Gran Turismo justement. Et en fait, l'anecdote assez drôle, c'est que je sais pas si je te l'avais raconté cette anecdote. C'est que mon père jouait en fait à Gran Turismo et je le regardais tout le temps jouer. Je voulais jouer et je savais pas conduire. En fait, c'était une catastrophe et ça a laissé des séquelles. Hein, on peut le voir. Et du coup, ce qui était assez drôle en fait, c'est que je sais pas si vous en souvenez, dans Gran Turismo, on pouvait laver sa voiture. Et moi, j'attendais à chaque fois qu'il aille au truc de lavage de la voiture, juste pour appuyer sur la touche. Je sais plus c'était quelle touche. Fallait appuyer sur une touche et tu voyais la voiture tourner et briller de partout. Et en fait, c'était juste à chaque fois, j'attendais comme ça. On peut nettoyer la voiture. Et du coup, j'attendais juste pour appuyer sur ce bouton, tourner et nettoyer la voiture. Et déjà, à cette époque-là, j'avais des problèmes avec le nettoyage. Déjà, à cette époque, ça commençait. Ah ouais, t'as la technique toi, hein. Ah, je n'ai pas du tout la technique. Ah mais elle chasse du cul. Ah hein. elle chasse. Hein. Mais j'adore tellement ces voitures, c'est comme c'est mes voitures favorites. C'est une Peugeot qui est devant moi, arrête. Elles sont vraiment dingues, enfin je les trouve magnifiques de gueule. C'est comme les Lambeaux, je trouve que c'est des voitures vraiment magnifiques. En termes d'aspect. Oh, vache. Après je parle pas trop de technicité, puisque je m'y connais pas, genre comme Anto en voiture. Oh, allez, tu peux le faire. Oh, ça va jouer! Oh oui! Oh, c'est bon? Je sais pas si non, tu l'as eu. Je suis deuxième. Si! Yeah! Attends. Give me five! Je suis pas sûr parce que j'ai vu que j'étais quand même deuxième. Ah non, je suis non, premier vu que j'ai l'or. Attends, juste à revoir sur la ligne. Par contre, elle est ultra lourde et c'est là où c'est très réaliste et vraiment respect. Parce qu'elle est ultra lourde et elle chasse du cul. À un moment donné, on va voir, j'ai eu. Je suis parti en cacahuète en latte. T'es parti dans les pâquerettes et tout. Bah, t'as c'est vu, là, c'est là. Non, c'est là. Ça va être après. Après, tu vas. T'as vu comment ouais, elle chasse? Ouais, elle chasse. Et bah après, du coup, ce qui est bien, c'est je pense que tu peux acheter des pièces pour améliorer ta voiture, faire en sorte qu'elle chasse moins. Bah là aussi. Ouais, c'est là. Là, voilà. Chou. Non, mais franchement, tu conduis bien. Ouais. En fait, faut vachement jouer avec le frein, l'accélérateur. Quand je le double à la fin, la dernière. Mais tu vois, par contre, qu'elle a de la patate. Hein. Là. Ouh, ouais, ça s'est joué à rien. À rien. À rien du tout. Mais super belle voiture, en tout cas. Ouais, super cool la bagnole. Ah, grave. On va regarder après pour aller s'acheter une voiture, parce qu'on a 80 000 et quelques. Ah, on a 80 000 ouais, là déjà. 82 000. Ah bah ouais, retourne à l'accueil. Ouais, on va retourner à l'accueil. Allez, c'est parti. C'est ici que vous pouvez acheter des voitures, du coup le brand central, on va regarder. Alors voilà, centrale des marques, donc on va pouvoir acheter des voitures, acheter des concept cars, il y aura le musée de la marque, regarder des vidéos de la marque, prendre des photos sur des sites liés à la marque et s'inscrire au championnat constructeur. Donc du coup, on va plus l'afficher pour le moment. Amérique, Europe ou Asie. Asie-Pacifique, pardon, je ne sais plus parler. Donc ça, tu veux c'est... quoi? Regarde, Amérique, là. On va dire Europe. Ah, il y a la Suisse. Bah. Bien ça. Donc l'Europe. Ouais. Ok, donc on a plusieurs. Tu choisis une marque européenne. Cool. De toute façon, l'Europe, on est là. Tu peux très bien partir aux US aussi si tu veux une voiture US. Donc ça, c'est bien.
Tu peux. Oh, par exemple, t'as Porsche. Vu ta gueule. Ouais. Alors, de quoi? Porsche, par exemple. Alors, où est-elle? Elle est en haut? Non, en dessous. Voilà. Ah, là. Donc, on va regarder juste le prix hein, pour rigoler. Hein. Pour se faire un ordre d'idée, même si je pense qu'on pourra pas se payer une Porsche tout de suite. Le showroom, donc, ouais, du coup. On va aller au showroom, on va aller les voir. 253 000 CR. Alors, on a celle-ci. Mm-hmm. On a celle-là à 350 000. À 400, enfin, plus on va loin, de toute façon, plus on commence celle-là, à monter au niveau million, des prix. Voilà, celle-là, elle est à 1 million. Ouais, mais parce que ça, c'est les voitures de sport de ouf. Ouais, ouais. Donc, bon, on va revenir en arrière, on va rester sur ouais, du plus raisonnable. En... On va aller sur du... Alors, non, attends, on va aller. Est-ce qu'on a Lamborghini? Ah, parce que c'est mes bébés, ma voiture favorite. Alors, je dis, on va sur du plus raisonnable, elle va sur du Lamborghini. Grave, on va sur du raisonnable. Lamborghini. Et je suis pas sûr alors, que attends. Pour démarrer, ce soit une bonne bagnole non. Parce que dessus, elle a aucune tenue de route. Oui, non, non. Mais c'est 297 000 la première. Mais c'est juste pour regarder, en fait, l'aspect. Oh mon dieu. Sachant que j'ai déjà été dans un magasin de Lamborghini, je vous mettrai une petite photo. Et c'est magnifique. Oh, 3 640 000. C'est une Veneno aussi. Et ce qui est bien, c'est que sur le côté, tu vois justement les statistiques de la voiture. Ouais. Et au niveau du oh, le freinage, t'as vu 2,3. Ah oui, non, mais je t'ai dit, hein, stabilité, c'est normal, regarde, vitesse ouais, max. Ouais, donc c'est ça, ouf. Quand tu vas à cette vitesse-là, le frein, il prend cher. Bon, on va revenir pour acheter une voiture et on va aller dans du plus raisonnable. C'est parce que c'est pour montrer un petit peu les voitures. Alors, soit on regarde du... C'est pour montrer un petit peu le panel. Ah vas-y, j'ai rien dit. Sachant que là on a que ça en voiture, ça me paraît très peu. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Voilà, je pense que ça se débloque par la suite en fait. Donc voilà, dis-moi alors. Renault, Peugeot, Citroën, Audi, BM. Subaru, c'est pas... On n'a pas de Subaru. Ok, bon c'est pas grave. Je pense que ça se débloque au fur et à mesure hein. Peugeot peut-être. On va aller voir Peugeot. Peugeot. Je pense que ça sera moins cher hein. On va prendre une petite 206. Ça c'est très bien, 36 000. Non, non. Même pas. La RCZ elle est combien? 46 000, ouais, on continue. Ah là par contre, on monte au niveau des prix. Alors par contre, je suis traumatisée par la Peugeot VGT sur laquelle on va aller là. Elle est magnifique. Ah bah celle-là. Ça c'est pas les concept cars un peu. Non, c'est dès qu'ils utilisent réellement. Ah, Peugeot par contre, il y en a de la bagnole. Hein. Ah ouais, là par contre. On sent qu'ils font de la course. Oh, regarde la dernière. La dernière, la hybride, elle est incroyable. Là on est déjà sur 1 million. Et la hybride, elle a 1 million seulement. Oh t'as vu elle a, par contre elle a un bon freinage, elle est moins rapide que la Lambo mais elle a un... Oh la vache. Ça peut tout changer. Ouais. Reviens en arrière vite. On va aller voir s'il y a Citroën aussi. Pardon, au niveau des bagnoles. Oh oui, Vision Gran Turismo. Attends on l'a pas vu. C'est un les concept million. Car. Ah la vache. Par contre juste un petit truc qui me perturbe. Je suis sûr qu'il y a moyen de le faire. De quoi? De changer l'angle, de la regarder. Ah mon avis. Moi, je pensais qu'on pouvait faire. Oh la vache. Ouh. Ils sont... Elle fait penser au... Comment ça s'appelle le jeu? Les petites voitures? Les petites voitures? Rocket League? Non, tu sais... Ah, les... Hot Wheels. Hot Wheels, voilà. Elle fait penser à une Hot Wheels. Et j'aime bien parce qu'en bas, t'avais une petite phrase qui te parle de Peugeot, justement. Ouais. La voiture en question, un peu l'histoire. Ça, c'est cool. Alors là, on a Citroën aussi, qui sera pas trop cher. Alors, Citroën. On est un peu plus réaliste, hein, du coup, on est moins sur de la voiture. Par contre, une DS3, wow peut-être pas. Hein. Alors, tu vas voir celle-là. Oh, 300 000. Ah, elle est belle, magnifique. Alors on est sur celle-là aussi à 350 000. Elles sont belles. Hein. Mm-hmm. Et celle-là à 450 000. Sur de la bonne bagnole. Bon là pour le moment c'est pas ouf sur Citroën. On revient en arrière. Je pense qu'on peut regarder Renault, on l'a pas fait. Oui Renault pardon. Renault Sports. Sports. Tant qu'à faire toutes les françaises. Waouh autant le faire. Clio. Alors 35 000. Wow. Non. 38 000. Mm-hmm. Allez, on monte dans les prix. Ouais, parce que c'est la version malade, sport, c'est plus la version. Le truc que je celle-là, trouve dommage avec les Renault, c'est que vu qu'elles sont hautes, elles sont très lourdes en fait. Ouais. Petite Mustang. Wow. Et, hein, mais il va falloir qu'on regarde la nôtre, ce qu'elle a dans le ventre. Bon, on en a pas pour le moment de toute façon. Bah si, c'est la blanche en haut, nous. Ah, on a celle-là. Ouais. Ah non, mais on achète pas de bagnole alors. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle vaut au moins 200 000, celle qu'on a là. Donc ça ah, sert à rien d'acheter une autre bagnole pour le moment. D'accord, ok. Puis comme ça, bah, tes abonnés, si on fait une deuxième vidéo, c'est eux qui choisiront la marque. Ouais, c'est pas bête. Dans ce cas-là, dites-nous dans les commentaires si on vous montre quelques voitures là. Et s'il y a des voitures sur lesquelles, Chevrolet. Je sais pas, sur lesquelles vous avez flashé ou quoi que ce soit, dites-le nous. On essaiera de faire un max de courses pour tester. Oh là là, oh, il y a qu'à 35 000 seulement. Mais bon, j'ai du mal à la conduire, sans mentir. Non, elle est trop lourde. Ça, elle est pas ouf, je trouve. Oh. Ah, t'aimes bien? Une Corvette à ce prix-là? 2014. Ouais, puis celle à côté, bon, à mon avis, elle est beaucoup plus chère. 350 000. En fait, si tu veux, là, le problème, c'est qu'on a des voitures ouais, qui sont de 14, ok. Donc, non, vaut mieux qu'on garde la nôtre pour le moment. On va voir la Dodge, et puis après, on repart. C'est une Dodge Challenger. Ah, on a les concepts. Il y a la Charger.
Viper, ah, il y a la Charger, c'est bizarre. Elle est où, la Charger? C'était la première. Elle est pas connue comme pour être... Elle est belle, hein? Ouais, ouais. Mais elle est pas très connue pour être justement course. Ouais. Plus pour être... Waouh. Wow. Ouais. Oh la vache. Ça, pour affronter la Lambo. Je vais regarder les concept cars, j'adore regarder les concept cars, je trouve ça magnifique. Oh. Attends, on avance, on va voir. C'est la même à chaque fois, juste la couleur qui chante, oh, la qui change. Ah bah non, regarde, elles sont pas pareilles au niveau de la puissance. Ah oui, en vrai... Oh la vache, celle-là, elle est magnifique. Par contre, du coup, j'aimerais bien, tu sais que le jeu est disponible aussi en VR. Ah oui. Et du coup, là, c'était le moment où tu faisais, c'est vrai? Il est disponible en VR? Non, non, il est disponible en VR. Et du coup, j'aimerais bien l'essayer en VR, mais je me dis, ça doit être... Ça doit te donner envie de vomir, mais il faut que je l'essaye en VR. Je l'essayerai en VR et je vous ferai pourquoi pas une vidéo en VR. Ouais, mais quand tu l'essayes en VR, faut l'essayer avec un volant. Oh, ça serait excellent, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, le volant qu'on a n'est pas du tout compatible. Non. J'ai pas lu ce qu'il fallait faire. Le volant qu'on a n'est pas du tout compatible. Première, c'est tout. Attends, fais gaffe. Accélère, accélère. Putain, là c'est la merde. Ah, faut surtout pas toucher de barrière. Ah d'accord, c'est bien les kiki, tu vois, il y a des grands temps de chargement, mais faut lire aussi ce qui est écrit. Faut pas toucher de mur ou de barrière. D'accord, ok. Et de voiture? Non, il y a marqué mur. Ok. Tu rentres dans le cul de la bagnole, tu vas bien. En plus, c'est hyper étroit. Et bombarde. Un tout petit virage, bombarde. C'est la ligne d'arrivée, bombarde, bombarde, bombarde. Ok, 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 c'est bon, on l'a fait champion. J'ai... Est-ce qu'on est en or? Ouais, bah oui, est-ce que tu veux le faire aussi ou est-ce que toi tu passes carrément sur l'autre? La suite. C'est ce que je me dis. Non, on était bien. C'est chaud quand même, hein. Mais c'est bien parce que je trouve que ça t'apprend justement la conduite par rapport... C'est vachement cool. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, tu sautes pas tout de suite les étapes, tu vois, tu te retrouves pas sur une course qui est trop compliquée pour toi. On va regarder combien il y a de levels, par contre. Il y en a 8, d'accord. Et on peut pas, est-ce qu'on... Non, on peut pas, il nous bloque. J'aurais aimé voir en niveau 8 qu'est-ce qu'on avait en voiture. Et je pense peut-être qu'à la fin, à chaque fin de mission, peut-être qu'on débloque première, une voiture. Il te file des bagnoles et après c'est toi qui joues avec ta bagnole. Peut-être, c'est possible. Attends, je veux vraiment bien le prendre, celui-là. Mais moi, j'arrive pas à comprendre comment bien le prendre. C'est vrai que pour drifter, c'est le cercle en cas où. Ouais, mais je vais pas mettre un coup de frein là. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur idée. Dans Fast and Furious, c'est ce qu'ils font. Ou dans Need for Speed aussi. Bouge de là. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que tu fais. Oh, bien joué, bien joué. Pas mal. T'es bien là. Tu remontes la pente. Champion là. Christro. Ah merde. Ça peut passer. Oh putain, ça peut passer, ça peut passer, ça peut passer. Oh, ça joue à que dalle. Non, 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 non. Oh, je le perds à la fin. Non, peut-être merde, si. À la fin, les boules. Je suis sûr t'aurais pas mangé le mur de ça, moi, quand t'as frôlé là. Ouais. C'est bon, tu passais. Oh, les boules. Tant pis. Bah du coup les copains, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère en tant qu'elle vous aura plu. Bah dis-moi, on va parler un petit peu vite fait, on va faire un rendez-vous pendant une minute. Ce que t'en penses du jeu? Est-ce que tu penses qu'il est bien? Vas-y, dis-moi justement, vu que t'as testé, toi, tu joues beaucoup à des jeux de conduite. Très agréable et très beau. Et niveau design, enfin rien à redire, quoi, c'est ultra réaliste, c'est magnifique. La conduite est plutôt agréable. Ouais. Là on n'avait pas beaucoup d'aide, mais la conduite ça va, elle n'était pas non plus infaisable. Ouh. Ouh. Ça peut cliquer sur l'autre, s'il vous plaît? C'est quand même un sacré cadeau. On finit avec un beau cadeau, hein. Une Renault Sports RS01. C'est pas celle que dont tu parlais... Non, tu parlais pas d'elle tout à l'heure. Succès obtenu, allez récupérer votre récompense. On va regarder. Oh! Alors, succès. Alors, comment on récupère la petite récompense là-dessus, hein? Tu l'as récupérée? Ah, d'accord! Tout ça, ça tente, tout ça, c'est des succès? Ah mais en fait on a masse points. Ce qui clignote, faut aller les chercher. En fait on en a beaucoup. Oh, en fait on a énormément de points. Ah non, ok, d'accord. Récompense obtenue, circuit arcade, objectif atteint. Ah,
Cool. On avait un éditeur de... On aurait dû aller voir par contre. Ouais. On va à l'atelier vite fait et puis après on s'arrête là. Garage. Yeah. On va regarder un peu la personnalisation. Hein, oui, le kart. Du coup, on va regarder paramètres de la voiture. Ne vends pas surtout, voilà. Et tu balades-toi un petit peu comme ça, je vais parler un peu de moi, ce que je pense. En attendant, tu regardes. Du coup, moi, je le trouve hyper complet, par contre, comme jeu. Il est vachement complet. Pour ceux qui sont passionnés de courses automobiles, je pense qu'il peut franchement vous plaire. Il y a énormément de paramètres, voilà. Quand on voit là, il y a, enfin, tous les paramètres, c'est juste ouf. Hauteur de la caisse, fréquence naturelle, barre anti-roulis. On peut tout monter, on peut tout modifier, personnaliser la voiture. Bah, du meilleur qu'on le souhaite, tu en fait. Tu peux même choisir les rapports. Alors toi tu connais bien, du coup je ne suis pas professionnelle par rapport à ça. Et du coup en fait tu peux regarder ta drift aussi, ta route, et tu peux la passer en drift. Regarde, tu vois les pneus et tout. Il y a des courses de drift. Apparemment. Et je trouve que voilà, c'est vachement complet parce qu'on peut personnaliser la voiture à son image, comme on aime la conduire, et n'hésite pas à aller voilà, la peindre et tout, regarder. Ah, équipement de pilote. Il faudrait qu'on regarde. Voilà, qu'on regarde un petit peu... Ben, on n'a rien pour le moment. On n'a rien, mais est-ce qu'on peut voir les tenues? Voilà, parce que là c'est ma bibliothèque. Voilà. Ah, voilà. Et là, on peut peut-être voir 2-3 trucs, non? Y'a rien. Parce qu'on repasse automatiquement. Alors, peut-être qu'il est pas connecté, je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du bon, tout. Tant pis. Mais voilà, balade-toi un petit peu, regarde un peu les voitures et tout ça. Moi, je le trouve hyper complet de par sa personnalisation. Ouais. Je trouve que, après, pour ceux qui aiment les mondes ouverts, il n'est pas fait pour vous, dans le sens où c'est pas comme un Forza Horizon, un The Crew ou quoi que ce soit, puisque celui-ci est en circuit. C'est une conduite. Je trouve que quand tu as un monde ouvert, tu peux te permettre beaucoup plus de choses, alors que sur un circuit, tu peux pas te permettre les mêmes choses. C'est du coup avoir un accident et que ça tourne vraiment mal. Donc, moi, franchement, je suis surpris par le jeu. J'adorais. Quand je l'ai commencé en ligne directement, et j'aurais pas dû puisque j'avais pas d'idée, enfin je savais pas trop ce que c'était. Et du coup c'était une catastrophe quand j'ai conduit en ligne. Oh, casque, changez la couleur de votre casque. Combinaison, livré, changez la couleur de votre... Ah, tu peux totalement personnaliser... Oh, ça c'est excellent. Tu peux... c'est excellent. Choix du fond. Mettre un fond noir, tu peux même mettre un fond extérieur, c'est assez rigolo. On va regarder. Eh, hey, c'est pas mal. Couleur. Donc tu peux changer la couleur. Vas-y, regarde un petit peu. Il est web designer, hein, donc on va le laisser faire ses couleurs. Je vais faire pour toi. Rose. C'est quoi ce truc là en rose? Ah, c'est bien, c'est pas mal, n'empêche. C'est bien, tu peux personnaliser du coup les casques, ouais, tout ça. Les couleurs, hein. Tu peux... Ouais, là, on a... c'est juste les couleurs. Après, tu peux personnaliser. Joue d'une couche. C'est trop bien. C'est trop bien fait le système de... Ah, tu peux mettre des stickers aussi. Il y a tellement... Méthode de projection. De peinture, genre. Aligné avec la surface ou aligné avec la caméra. Ah, ah non, là, pas par rapport à la peinture. C'est, ah, c'est excellent. Qui... Oh, elle envoie quand même, hein. Oh, on peut mettre... Ça, ça permet de faire des voitures incroyables. Ah, tu sais quoi, on prend celui-là. Il y avait Bulldog. Il y avait un Bulldog. Et ça permet de faire des voitures en plus hyper personnalisées et uniques finalement, puisque tu peux placer ton sticker comme tu veux. Ouais, regarde, tu peux même faire ce que tu veux. Ouais, et du coup, tu peux finalement mettre des stickers les uns par-dessus les autres et faire une voiture totalement what the fuck et unique. Du coup, on va juste regarder par contre s'il n'y a pas, tu sais, un mode en ligne qui te permettrait d'accéder aux voitures d'autres joueurs. Voilà, donc là du coup on est dans les voitures les plus populaires du coup qu'on peut trouver sur GT Sports, fait par d'autres joueurs, et elles sont assez cool. Oh, elle est cool celle-là. Il a mis une voiture de Cuff, clique dessus pour voir justement si on peut la récupérer. On peut ajouter à la bibliothèque en ligne. Donc je pense qu'on peut l'ajouter et justement la mettre sur notre voiture. Oh, il y a des gens, ils se sont éclatés, hein. Ouais. Oh, t'as vu les casques, genre celui le rouge feu, t'as les feux, les couleurs or. Ils sont magnifiques. T'as les combinaisons aussi qui sont en bas à gauche. T'as les stickers à ce que je vois. Donc t'as des gens qui, je pense, qui se sont amusés à superposer des stickers les uns par-dessus les autres. Alors attends, on va regarder un peu. Hey, les gens, ils ont fait des bonnes combinaisons. Hein. Je vais les stickers. Ouais, on va regarder ce qu'ils ont fait. Je pense que les stickers, les mecs ont dû s'éclater. Alors attends. Ah, oh non, crois qu'il du en coup, a il n'y en a pas. Alors est-ce qu'il y en a pas pour moi ? Ça, c'est les courses. D'accord. Photo de course, c'est pas photo. L'environnement... Non, tu devrais mettre dans les plus populaires parce que du coup, les plus récents, voilà, c'est pas grave. Oh, il y a des photos vraiment magnifiques. Ouais. On prend pour exemple la deuxième photo, voilà, ou celle-là, la quatrième. Elles sont magnifiques. Celle-là est pas mal aussi, hein. Ouais, elle est ouf. Oh, c'est des belles... Ouais. Et ça, c'est des screens qui ont été faits carrément. C'est en fait avec le mode photo du jeu. C'est magnifique. Waouh. Pas mal. Est-ce que t'as vu... Bon, je tiens à la souligner parce que je l'ai vu quand même. La photo avec la vache.
Nicely Pastoral. Elle est incroyable. Cette photo est incroyable. En termes de beauté graphique, elle est oufissime. Elle met en valeur la voiture tout en mettant en valeur ce qu'il y a à côté. C'est tellement beau que la console ne veut pas le charger. Bah, ah, regarde-moi ça. Si ça, c'est pas beau. J'ai l'impression que tu peux générer une photo et que tu peux après poster. Par-dessus. Donc c'est pas mal, t'as plusieurs trucs. Donc vas-y, donne ton... Oh, get me nice tech. C'était écrit, je crois. Moi, j'aime bien celle-là. Ça fait voir. Il y a beaucoup de japonais qui font beaucoup de... Oh, stylé. C'est pas mal. Ouais, et t'as vu la deuxième? Elle est vachement belle. Et du coup, on va s'arrêter là. Je regarde un petit peu, donne ton avis, puis on s'arrête là. Ça bug. Ouais. On a une connexion qui bug. Ouais, parce qu'on a une connexion pérave, hein, il faut savoir. C'est ça. Oh, James Bond. Ouais, mais celle-là, elle est incroyable. Ah, waouh. Du coup, bah, donne ton avis, justement, par rapport à la conduite, la personnalisation et tout ça. C'est vraiment agréable. J'attends d'en voir plus, parce que là, on l'a vu... les bases. Ouais, les bases. Mais je pense que je vais pas mal y jouer, je vais pas mal le sécher et je pourrais vous en dire plus si on fait une prochaine vidéo. Ouais, on fera de toute façon une prochaine vidéo, je pense, dessus. C'est vraiment cool et j'ai bien envie de voir ce que ça donne dans le futur parce que là on a fait que l'émission du début. Donc on est au début, on n'est pas sur... Oh là, ma manette a bloqué, elle faisait... Du coup, on est que sur l'émission du début, donc on sait pas encore de quoi le jeu est vraiment capable quand il est poussé à son maximum avec des voitures extrêmement puissantes. Et va falloir que je prenne du coup des bons cours de conduite. Parce que je peux vous dire que c'est pas facile, hein, de... Non, oh, celle-là, c'est sûr. On va finir sur cette petite... Ah non, c'était des trucs un petit peu japonais et tout. Non, bah on va se laisser du coup sur cette voiture qui était juste... Red Bull. À laquelle? La Red Bull, tu veux? Ouais. On s'arrête sur celle-là. On va se mettre en full screen, on ne peut pas? D'accord, ok, c'est pas grave. Du coup, les copains, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça a été le cas. Ça m'aide à savoir si vous ou non vous voulez voir une suite. Je vois le truc qui bouge tout seul alors que c'est posé comme ça. Et vous laissez tout simplement des commentaires. Si vous avez GT Sports, du coup, n'hésitez pas à m'ajouter sur PlayStation 4. Tout est dans la barre d'infos, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat. De toute façon, tout est listé dans la barre d'infos. Faut vraiment que j'arrête de parler vite, puisqu'à la fin, ça te reprend ton souffle. Du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao tout le monde.